bon frère Fabien. Pourquoi es-tu comme ça? Je suis désolé. Désolé pour toute chose. Pourquoi? Pourquoi tu portes tout ça toi-même? À qui est-ce qu'il doit prendre soin dans cet état-ci? Et c'est ma responsabilité de prendre soin de vous, de vous surveiller et de vous protéger. Mais regarde-moi. Jusque-là, tu n'as pas encore mangé. Parce que je n'ai même pas la provision. Il n'y a même pas la nourriture dans cette maison. Grand frère, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi tu te condamnes en te blâmant toi-même? C'est ma responsabilité. C'est mon devoir de prendre soin de toi. De prendre soin de toute ma famille. Tu penses vraiment que je suis heureux avec l'incapacité dont je me retrouve? Ne t'inquiète pas. L'argent viendra, ok? Quand? Quand est-ce que cet argent viendra? Rappelle-toi, maman nous disait toujours de prier lorsque ça ne va pas. Jamais! Je n'ai jamais cessé de prier. Continue de prier. Et tu verras ce que Dieu va faire. Hein? Ah. Merci beaucoup. De rien. Va dans la cuisine, tu regardes s'il y a quelque chose que tu peux préparer, hein? Oh, le shop de Amaïma est ouvert? Oui, c'est ouvert. Bien, va chez elle. Va prendre quelque chose, tout ce qui t'aidera à préparer quelque chose. Hein? Je paierai l'argent. Je verrai ça bientôt. Hein? Ok. Hein, vas-y. S'il te plaît, suis tes larmes, ok? Grand frère, et alors toi? Hein? Ne vas-tu rien manger? Toi, vas-y. Je vais bien. Ok. Trop fait peur. Emilia, quand est-ce que tu vas changer? Ça veut dire? Cela veut dire que c'est dans cette position que je t'ai laissé avant que j'aille au travail. Il est 21h maintenant. C'est tellement rendu ma journée géniale. Il a l'air d'être un homme super. Ah, Emilia, utilise ta tête. Comment? Tu parles avec cet homme depuis le matin avant que j'aille au travail. Et je rentre du boulot, tu es toujours au téléphone avec cet homme. Ceci n'est pas correct, totalement incorrect. Filiane, enlève ce genre de mentalité que tu y as. Tu ne peux seulement pas quitter la maison pour que tu travailles. La technologie a tout rendu possible et tu peux même travailler à la maison. Sais-tu même s'il a des gens qui travaillent pour lui? Tu as toujours quelque chose à dire, tu as toujours des excuses. Regarde, je n'ai même pas le temps pour faire parler avec toi. Qu'est-ce que tu as préparé? Rien du tout. Je n'ai pas pu trouver quoi préparer. Comme habitué, Madame Potable. Vas-y, essaie de te reposer. Sois la bienvenue.
maquilleuse. Finalement, aujourd'hui, tu vas sortir. Alors, quel est le nom de ce garçon? Désolée, parce que tu as tapé à côté, je ne sors pas. Je n'arrive pas à comprendre. Emilia, tu es actuellement en train de mettre tous ces maquillages juste pour rester à la maison. J'attends un visiteur à la maison. Je le savais. Tu savais quoi? Écoute, c'est personne d'autre, juste un photographe professionnel. Je vais juste prendre des photos exceptionnelles pour poster dans mes comptes Instagram, Facebook, TikTok, partout dans les réseaux sociaux. Je sais, toujours tes comptes. De toutes les façons, j'ai une bonne nouvelle. Quelqu'un t'a demandé un mariage? Loin de ça. Écoute, ma compagnie recrute actuellement et j'ai pensé à toi. Je tiens à travailler avec toi. Qui sait, peut-être ensemble nous pouvons produire de bonnes choses. Chiliane, écoute-moi, une femme n'est pas supposée travailler. D'accord? Je veux juste apparaître jolie et vivre. La femme est supposée être très belle et survivre, c'est tout. Emilia, vivre en dépendant de la poche d'un homme, c'est ça que tu appelles un travail? Laisse-moi t'indiquer un tout petit peu. Une femme a été créée pour se détendre et profiter. La femme n'est pas supposée s'inquiéter elle-même, pas du tout. Ok? Tu sais, tu peux donner ce travail à une autre personne parce que je ne suis pas intéressée. De toutes les façons, c'est combien pour commencer? 10 000 naira, bébé. Devenons facile pour toi. Oh! Sans quoi? Juliane, arrête de me faire rire, s'il te plaît. Tu appelles ça l'argent? Juste un petit cent? Vraiment? Oui, c'est assez suffisant. Et je te conseillerai d'accepter ce travail. Et chaque fin du mois, tu vas quand même t'y retrouver. Juliane, s'il te plaît, arrête de trop parler. Ok, permets-moi de me concentrer sur mon maquillage avant que mon photographe arrive. S'il te plaît. Mange le maquillage si tu le veux. Un petit sanier. Hein? Apparemment, Féliane ignore qui elle fréquente. Je ne peux même plus tolérer l'attitude du public. Je ne peux pas me mélanger avec n'importe quel corps qui sera là. La société elle-même ne peut pas prendre soin de moi parce que je suis vraiment très chère. Et ça en ira. Je m'appelle Emilia. Licenciée à l'université Oxford en Angleterre. Et je fais un master à l'université de Canberra. Tu sais ce qu'ils ont dit, c'est qu'un homme ne peut pas faire, la femme peut le faire mieux. Ça fait plaisir de te rencontrer. Passe une bonne journée, chérie. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Emilia, ne penses-tu pas que c'est mieux de quitter cette vie? Des mensonges et des tromperies. Filiane, la vie n'est pas facile, ma chère. Il y a des gens véridiques qui échouent dans la vie. Les hommes aiment le mensonge. Le mensonge réalise tout rapidement. Et sache, les gens qui vivent dans cette vie reçoivent des lettres plus que ceux qui sont déjà arrivés. S'il te plaît, tu peux arrêter? Je t'ai dit que j'avais besoin de lettres. Qui en a besoin? Les choix sont clairs et cela dépend que de toi. Filiane, toi et moi, nous savons que la vérité n'est pas admirable. Personne n'est honnête et même tes dirigeants ne sont pas honnêtes. Parce que s'ils étaient honnêtes, ils n'allaient pas nous décevoir. Ok, par exemple, avant les élections, ils ont fait un podium en nous disant des choses comme si c'était de bonnes nouvelles. Ils nous ont fait tant de promesses, ils ont déçu le public. Parce que dès qu'ils deviennent des dirigeants, ils oublient toutes les promesses qu'ils nous ont faites. Et donc, tu vois, personne n'est sincère ici. Et c'est de cette façon que tu trompes les gens. Ma chère, tout le monde nous salit. Tout le monde, et même dans les compagnies où tu travailles. Il y a toujours une personne qui vole dans la société. Et maintenant, tu vois, personne n'est sain. Bien, sache que ce que tu fais est plus que mensonge. Hey, regarde-moi cette fille. Est-ce que c'est à toi que je mens? Ce sont tes mensonges? Ma chère, aussi longtemps que nous vivons dans une même maison, je te dirai toujours la vérité. Oh, épargne-moi de ça. Va demander à tes politiciens. Filiane! Oui? Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi ces beaux hommes.
Il semble qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est pour ça que tu m'as appelé. Et qui t'a dit qu'ils ont de l'argent? As-tu rencontré l'un d'entre eux? Quelle question que tu me poses? Tu n'as pas les yeux? Hein? En regardant ces hommes, tu sauras directement qu'ils sont capables. Emilia, tu n'es pas supposée à croire sur tout ce que tu trouves en ligne. Je sais qu'on ne peut pas croire en tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais regarde-moi ces hommes, mais regarde leur peau. Il est comme si quelqu'un qui veut de l'île pareil, qui est juste tombé. Regarde-moi celui-ci. Regarde-le très bien. J'ai entendu. Ok, je comprends. Pourquoi ne pas les choisir et les épouser? Tu peux les faire. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que je t'ai dit que j'avais besoin d'un homme pour m'épouser? Emilia, tu sais que tu es toujours à la recherche d'un homme riche. Je vais juste te dire, si tu peux choisir l'un d'entre eux, si c'est lui, comme tu le veux, choisis-les et restez ensemble. Filiane, c'est l'argent que j'ai besoin, j'ai pas besoin d'amour. L'amour n'existe pas. L'amour, c'est un passe-temps. De toutes les façons, tu dois te concentrer sur ce que tu as fixé comme objectif à atteindre. Mm-hmm. Je n'ai pas le temps pour l'amour. Mm-hmm. Ah, donc tu vas aller d'un homme à un autre. Tu n'as même pas peur de toutes ces maladies qui tournent autour. Peur de quoi? Les condoms n'existent pas. Ah. Hé, qu'est-ce que tu as? Hey! Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Emilia, il est quelle heure? Il est 7 heures. Et ta seule responsabilité est de te concentrer sur les réseaux sociaux. Je peux dire, tu es totalement perdue. Filiane, nous vivons toutes les deux dans cette maison, ça fait déjà un moment. Maintenant, tu dois comprendre le genre de personne que je suis. Et ce genre de personne que tu es, qui peut vraiment t'imiter? Hé hey, hé! Est-ce que j'oblige quelqu'un à m'imiter? Comment est-ce qu'il ne me vit pas affecter quelqu'un? En tout cas, c'est mon bureau. Je ne supplie personne. J'ai vu ma vie comme ça. Et tu veux dire, danser sur les réseaux sociaux est une fonction? Ah, c'est là où je me nourris, non? Je ne peux pas être sujet de moquerie des autres. C'est impossible. Ça n'arrivera pas. Vraiment? Je ne peux pas conduire ta vie, mais je pense que ta vie doit être disciplinée le plus tôt possible. Alors, regarde-toi. Tu es en train de conduire très mal ta vie. Écoute, je pense que c'est une insulte pour ma profession. Oh, tu appelles les réseaux sociaux un travail selon madame, toi? Madame, je te prie. Vas-y, il est déjà tard. Cessez-moi de te mêler dans mes affaires. Tout ce que tu peux faire est d'aller travailler. Sinon, ils vont te licencier. Oh. Commence à partir. Oui, je vais aller travailler parce que j'ai un travail. Reste là, en train de danser sur les réseaux sociaux, s'il te plaît, sois occupé. À tout moment, tu es toujours occupé. Voilà pourquoi tu n'as pas d'argent. N'importe quoi. Laisse-moi continuer avec mon business. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle. Tu peux m'accorder quelques minutes? Ok, c'est bon. Ce gros poisson que j'ai rencontré à la salle du gym, il est vraiment magnifique. Ok, habituellement. Quand est-ce que Samuel vient? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui concerne Samuel sur ce travail? J'avais déjà abordé cet homme et je lui ai dit que je suis une ingénieure sociale. Emilia, sociale quoi? Ingénieure. Ok, je t'ai toujours posé cette question. Qu'est-ce que quelqu'un fera avec ton amoureux, madame l'ingénieure sociale? Cet homme et moi, on a fixé une date. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Tu sais, en étant une ingénieure sociale, mm-hmm. Je suis supposée, tu sais, apparaître belle, géniale et trop classe.
Tu as raison. Et aussi, être belle pour couvrir tes mensonges, ok? Et voilà, tu parles maintenant. Ok, alors, quand est-ce que tu vas commencer à travailler sur ça? Raison pour laquelle je t'ai demandé à propos de ça. Je vais dire si je peux emprunter sa voiture pour un rendez-vous. Je ne veux pas aller là-bas et paraître comme si je n'avais rien. Apparaître comme une personne malheureuse. Emilia, tu es vraiment une lâche. Attends, tu disais que tu voulais emprunter la voiture chez quelqu'un? Oui. Ah, bébé, tu as pris la bière? Tu as pris du whisky? Je ne vais plus entendre ça prochainement dans mes oreilles. Comme tu as choisi de vivre une fausse vie, alors tu dois te préparer à faire des courses à pied. C'est ce que tu as choisi. Ne me distrais pas, j'ai des trucs à faire, j'ai un travail. Tu as aussi un travail, vas-y, va continuer à danser. Vas-y, va danser. Je viens emprunter la voiture d'une personne. Et maintenant tu es là, qu'est-ce qu'on a comme dîner? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as. Je n'ai rien du tout avec moi. Alors qu'allons-nous donc faire maintenant? Parce que j'ai faim. On n'a pas vraiment le choix, il faut juste aller chez... Maman Emma encore? Mais nous n'avons pas le choix, il faut juste aller là-bas et ils vont nous donner quelque chose à manger. Je sais. Écoute. Va voir maman Emma. Hein? Va lui dire que j'ai dit que qu'elle te donne quelque chose à préparer et je vais payer après. Mais grand frère, jusqu'à quand vas-tu continuer à prendre des choses chez maman Emma? Écoute, ce n'est pas le temps de parler de combien de fois. Ça va finir. Hein? Va la voir. Va lui dire qu'elle te donne quelque chose à préparer. Hein? On va trouver une solution dans plus de jours. Et si elle arrêtait de nous donner? Sans effet, elle va pas arrêter. C'est mon amie, elle connaît. Va lui dire qu'elle te donne ce qu'elle a. Hein? Bientôt, je serai béni. On va trouver une solution, je vais payer. Dis-lui ce que j'ai dit, elle te donnera. Grand frère, écoute-moi très bien. J'avais comptabilisé tout l'argent qu'on lui doit. Ça fait 2500 naira. 25 quoi? Oui, 25 000 naira. Comment est-ce possible? 25 000. Tout ça là déjà. J'irai seulement la supplier. Alors, il faut qu'on la voie seulement. C'est la seule qui peut nous emprunter. Hein? S'il te plaît, va la voir et dis-lui ce que j'ai dit. Dis-lui que la fin du mois, je vais payer. Grand frère, jusqu'à quand vas-tu continuer ainsi? Et si un jour elle tombait en faillite, ou encore, elle venait nous menacer ici? Bébé? Ah, bébé, tu allais faire du shopping sans moi. Il fallait attendre le week-end. On allait le faire ensemble. Je suis désolée, c'était une urgence. Je ne pouvais pas attendre. C'est bon. Alors, tu as rencontré un homme? Non, personne. Emilia, je te connais plus que quiconque. Je suis sérieuse, personne. Écoute, j'étais allée faire du shopping pour impressionner cet homme. C'est qui ce garçon? Je ne me rappelle pas. Le gars que je t'ai parlé, le gars que j'ai rencontré dans la salle de gym. Écoute, Filiane, j'ai pris mon temps de tout vérifier sur cet homme. Cet homme est vraiment riche. Il est tellement riche. Raison pour laquelle je t'allais faire du shopping pour l'impressionner.
Alors, dès que le précieux est-tu en train de parler? Pour être capable d'attraper un singe, tu dois devenir comme lui. À la fin de la journée, j'espère avoir quelques minutes en venant de lui. S'il te plaît, Emilia, arrête de rêver. Chasseuse de singes. Filiane, je suis sûre de ces rencarts. Permets-moi juste de convaincre Samuel pour qu'il me donne sa voiture. S'il te plaît, je te préviens, tout ce qui représente tes affaires ne m'associe pas. Je te donnerai 5000 lira si tu m'aides à convaincre Samuel. S'il te plaît. Chérie, tu m'as fait réaliser. Alors dis-moi, tu manges quelque chose? Honnêtement, je suis impatiente d'aller à Dubaï. M'amuser avec toi. Raison pour laquelle je voulais te voir. Ah, d'accord, mon amour. Passe une bonne journée. Je t'aime aussi. Bye. Emilia, je me suis réveillée à cause de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Cela t'a choquée? Tu ne peux même pas paraître comme un boss. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu étais capable de le convaincre? Qui? Samuel, bien sûr. Voyons, Emilia, un homme qui t'apprécie réellement va t'aimer tel que tu y es, au lieu de te tourmenter presque tous les jours. Je ne comprends pas ce que tu me sors là. C'est maintenant un crime de paraître magnifique quand tu sors pour un rencard? Ma chère, tu n'essayes pas d'apparaître belle. Tu essaies d'apparaître plus riche. Tu veux impressionner. Mais c'est la même chose. La première impression compte beaucoup. S'il te plaît, parle-moi de Samuel. Tu veux connaître la réponse de Samuel? Oui. Oui, je lui ai parlé, mais je ne lui ai pas dit ce que tu voulais que je lui dise. Oh, attends. Pourquoi tu veux lui donner l'impression que tu es riche? Je ne comprends pas ce que tu me dis, Filiane. Tu m'as déjà oublié. Ce rencard va peut-être nous aider, non? Oh, mais Emile, laisse-moi te poser une question. Au lieu de prêter la voiture de Samuel, alors tu ne peux pas chercher quelqu'un d'autre à qui tu pourrais prêter une voiture, même chez tes amis. Hé, vas-y chez tes amis, ils n'ont pas de voiture à te prêter. De quel ami parles-tu encore? Tu n'arrêtes pas de me stresser à cause de ces problèmes. Je ne vais pas prendre cette voiture, je vais juste le prêter. Si tu y je vais remettre. Je ne te comprends pas. Donne-moi cette voiture que tu veux me donner, non? Emilia, arrête de trop parler. Arrête de trop parler. De toutes les façons, je suis là pour t'aider. Je vais te trouver une solution. Tu veux une voiture, je vais te trouver une solution. C'est quoi la solution? Grand frère, bonjour. Oui, bonjour. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, prends place. Vas-y. Grand frère, j'ai pensé à notre situation. C'est comme si tu as perdu la foi en prière. Et ça va finir tout ceci? Je sais, mais j'ai fait un rêve. Un rêve? C'est à propos de toi. J'avais vu maman et maman étaient venues ici pour parler de son argent. Elle criait tellement. Ok, ok, ok. Écoute, je comprends ta peur. Je sais pourquoi tu as peur, hein? À cause des dettes qu'on a vraiment accumulées pour maman et maman. Mais je t'avais dit depuis longtemps, ça va se résoudre. Mets-les dans ta tête. J'avais vraiment vu ça dans mon rêve et ça me dérange beaucoup. Cessons de nous endetter, José, grand frère, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. Allons voir maman pour lui dire notre situation. Je crois qu'elle pourra nous trouver de quoi manger. Est-ce que tu vas vraiment la fermer? On va aller, c'est facile. Tu connais très bien que maman est bipolaire, tu veux qu'elle meure? Maman, tu connais comment elle se sentira si elle découvre que elle sera brisée. Maman ne va pas mourir. Donnons-lui sa place. D'ailleurs, j'irai moi-même là-bas au village. Je pourrais même l'aider au champ. Comme ça, nous pourrions avoir quelque Est-ce chose. Est-ce que tu vas vraiment la fermer? Je n'approuve pas ton idée. Et tu vas rien faire du tout. Et personne ne sera en colère. Ne t'inquiète pas, tout va bientôt s'arranger. Alors n'aie même pas peur de la mort, parce que je la vois venir.
Tu es rentrée si tôt. Ma chère, je suis fatiguée. C'est quoi ça? Alors, qui s'est intéressé à toi aujourd'hui? Monsieur le bel homme. Qui est monsieur le beau? Filiane, comment tu peux oublier si rapidement? L'homme que j'ai rencontré à la salle de gym. Je me rappelle de lui. Alors, vas-y, raconte. Bien, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous avons un rencard aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée exceptionnelle. Bébé, je reviendrai à la maison avec beaucoup d'argent. D'ailleurs, je vais les déposer à la CBN. Après la Banque centrale, viendra le tour de la Banque mondiale parce que l'argent sert à tellement beaucoup. J'étais en train de réfléchir. Peut-être que je dois trouver quelqu'un qui pourra m'aider à transporter cet argent. Parce qu'il y aura tellement beaucoup d'argent. Mon homme est vraiment très riche. Ah, sois prête, chérie. Emilia, ne pense pas que je suis d'accord avec tout ce que tu es en train de faire. De toutes les façons, y a-t-il à manger? Qu'as-tu préparé? Je préparais les ignames et la sauce des œufs. Je les préparais spécialement pour toi parce que je suis de bonne humeur. Hey! Cette fois-ci, nous irons et revenir pour témoigner. Ma sœur, va t'en profiter. Mon ami, ne t'inquiète pas. C'est vraiment ton rêve, devenir un millionnaire. Donc, quelle sœur, nous allons le devenir. Amen. C'est bon, je suis fatiguée. Ma sœur, savoure. Bébé, à quoi je l'air? Bébé, je pense que je dois vraiment te dire la vérité. Tu es tellement belle. Parce que tu as l'air d'un astre illuminé. Merci. Tu as l'air classique. Merci. Et sexy. Merci. Merveilleuse. Doucement. Pourquoi des flatteries? S'il te plaît, mon homme complétera les compliments. S'il te plaît. Et nous qui n'avons pas d'homme. De toutes les façons, quel est le nom de ce restaurant? À la plus grande restaurant de la ville. Bébé, c'est l'endroit où tu vas. Bébé, c'est l'endroit où tous les hommes friqués vont se détendre. Et c'est l'endroit où nos politiciens vont pour se jurer avec les présents de cette nation. Tu peux le dire encore. Maintenant, tu comprends pourquoi je voulais paraître comme une politicienne. Je vois, bébé. Je te comprends. C'est devenu clair pour toi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est ça, bébé. De toutes les façons, je suis en retard. Je te vois dès que je reviens. Bonne chance. Merci. Ça, c'est mon ami. Je comprends maintenant. Ha! Hé hé! Ho! Comment est-ce que je vais les saluer? Je ne veux surtout pas paraître malheureuse, comme si je ne connaissais rien. Oh! Salut! 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 Waouh! Tu es tellement belle! Non. Voyons, Emilia, ça paraît moins cher et local. Comment je peux me comporter comme une dame riche? Comment je vais me comporter face à ce restaurant? Quand j'arriverai là-bas, comment devrais-je m'appliquer? Amy, pense tout d'abord à ta conduite. Allô? Je suis justement devant le restaurant. Et où es-tu? Tu as parqué derrière le restaurant? Ok, tu me vois bientôt. Je pensais que notre rencontre allait commencer à l'intérieur du restaurant. Là où je pouvais me faire des amis et voir d'autres personnes. Je me permets d'abord de le tester. Bien. C'est probable que là où il m'appelait, peut-être mieux que ces restaurants.
Madame, où allons-nous? Oh, vas-y, fais un marche en arrière. Tu me déposes sur l'avenue derrière ce restaurant, dans un hôtel qui se... Oh, cette rue? D'accord. Allons-y, s'il te plaît. Allô? Je suis là. Je dois entrer? Ok. Prends ton argent. Merci. Salut! Waouh! Waouh! Tu sais, quand j'ai vu ces deux parquets d'ailleurs, j'ai directement su que tu étais là. Oui, c'est ma voiture. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la tienne? Celle-là est l'une de mes voitures. Il semble que tu as changé de voiture. Ah, réellement? Alors, à quoi sert cet argent? Toujours mon chauffeur. C'est ce que je fais tous les jours. Oui, je m'assois. Je t'ai vu payer le chauffeur. Si. Prends place. Ah! Alors, laisse-moi me présenter. Mon nom est... Je ne peux pas l'oublier si vite. De toutes les façons, je m'appelle Amelia, mais mon ami m'appelle Amy. Waouh, c'est très joli. Wani, on était supposés se voir dans un grand restaurant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis vraiment désolé, mais vous devrez savoir que Westgate est un endroit un peu difficile à indiquer aux étrangers. Ok, je vois. Ça, et c'est ta voiture, pourquoi il le prend? J'ai demandé à mon chauffeur d'aller laver la voiture et s'acheter de quoi à manger. Oh, waouh! Je pense que tu es vraiment un homme généreux. Tu prends très bien soin de tes travailleurs. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. C'est la nourriture. C'est ce que je vais faire. Prendre soin d'eux. Oh, excusez-moi. Serveuse, pouvez-vous venir? Apportez-nous deux bouteilles de Coca-Cola plus une assiette de soupe de cabri. D'accord, monsieur. S'il te plaît. Vous n'avez deux cuillères. Eh bien, madame, vous allez prendre quoi? Ça ne va pas? Est-ce que tu as tous tes sens? Je viens juste de dire deux bouteilles de Coca-Cola et une assiette de soupe de cabri. Désolé, monsieur. Méfiez-vous, s'il vous plaît. Désolé pour ceci. Emilia s'est trompée. Je pensais qu'il était... Dépêche-toi, serveuse! Chai, c'est pour ça que je gaspillais l'argent pour aller faire du shopping. Si seulement j'avais écouté mon ami, j'allais même plus venir ici. Dieu va te punir en me faisant gaspiller trop d'argent juste pour te voir.
Waouh, cette soupe est très pimentée. Oh, il y a beaucoup de piment dans cette soupe. Hein? Pourrais-je avoir... Oh, merci beaucoup. Tu es une bonne personne. Ah! Alors, ma chérie, quand est-ce qu'on ira à Dubaï? Désolée, j'ai un appel. Oui? Oh mon Dieu, es-tu sérieuse? Merci, merci. Je dois aller maintenant, il y a une urgence. C'est moi maintenant? D'accord. Très bien, d'accord. Comment je vais dire cette malchance à mon ami? Ah, quel maçon je dois fabriquer pour couvrir cette honte? Ok. Je n'ai pas pu aller à mon rencard parce que je faisais mes démarches pour aller à Dubaï. Oui, cela marchera. Ah, Emilia, tu es une vraie génie. Mon Dieu est tout puissant. Seigneur, toi tu connais tous mes problèmes. S'il te plaît, surprends-moi. Surprends-moi, Seigneur. Surprends-moi. Même pour un contrat de 5000 naira. Hein? Ça va m'aider à payer toutes mes dettes. Seigneur Jésus, je prie. Au moment où tu entendras ma voix, mes larmes, Seigneur. Que le contrat vienne vers moi au nom de Jésus. Amen. Tu es... Mon cher, depuis quand tu es là? Il n'y a pas très longtemps, mec. Alors, mon cher ami, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mec, arrête de te faire tout ceci. Simon. Simon, pourquoi tu me demandes d'arrêter? Hein? Je n'ai pas demandé beaucoup. Juste... Un contrat de 5000 naira, ce n'est pas beaucoup pour moi. Je n'ai pas demandé beaucoup. Je souffre. Hein? Fabien, je sais, Fabien, je sais tout ceci. Même les contrats de 5000, je serais vraiment content. Mais là, regarde-moi. Je ne peux pas être comme un serpent. J'essaie d'envoyer les CV partout, dans beaucoup d'entreprises. Aucune réponse. Personne ne m'appelle. Qui a les boulots? Calme, mec. Calme. Calme-toi, mec. Calme. Je ne vais pas me calmer. C'est un processus graduel. Quel genre de processus? Quand est-ce que j'ai même la barbe blanche? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu un groupe de construction qui était en train de supplier. Je ne suis pas censé supplier. N'est-il pas mon tour de supplier? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Fabien, cela signifie que cela n'a pas été fait pour être tien. Alors, comprends. Quand est-ce que mon temps viendra, Simon? Hein? Quand est-ce que, Simon? Quand est-ce que je vais toujours attendre? Quand est-ce que mon temps viendra? Quand est-ce que ça va arriver? Regarde-moi, je ne peux même pas me promener partout. J'ai des dettes partout. Des mamans Emma, des mamans Tika, même des papas Tinaka. Je ne peux même pas me déplacer et partout les gens me pointent des doigts. On commence même à me payer la dette. Assez, mec. Écoute-moi. Tu dois apprendre à te calmer. Ce qui t'appartient finira toujours par te revenir.
S'il te plaît. Quand est-ce que mon temps viendra, Simon? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si plaintif? Je me plains beaucoup. Je me plains beaucoup. Ma tête commence à tourner là. Non, mais s'il te plaît, arrête. Je n'apprécie pas ce que tu fais. Grand frère, je suis de retour. Oh, bébé. Bébé, depuis que nous vivons ensemble, je ne t'ai jamais vu dans cet état. Qu'est-ce qui t'est arrivé, non? J'étais en train de regarder au boulevard pour te voir peut-être, mais il n'y avait pas de roulage pour... Filiane, arrête s'il te plaît. Hé, comment est-ce que je peux arrêter? Pendant que tu m'as donné l'accord. S'il te plaît, explique-moi, qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé? Je ne veux pas paraître comme si je n'ai rien. Alors, je dois m'habiller proprement, être classe et professionnelle. Alors? J'ai annulé les rencarts. J'avais une urgence pour préparer mon voyage pour Dubaï. Alors, j'ai annulé les rencarts. Je lui ai dit que dès que je reviendrai, je le verrai. Amy, je te connais très bien, oh. Amy, je te connais très bien. Alors, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Après avoir tout planifié la cérémonie que tu m'as expliquée ici, hein? Dis-moi, je suis ton bébé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai dit que j'ai annulé les rencarts. Tu as un problème avec ça? Oh, mais Emilia, je vis avec toi dans cette maison. Ça fait plusieurs années maintenant. Rappelle-toi que tu es ma meilleure amie. Je te connais très bien. Tu peux me parler, hein? Regarde tes yeux, je peux facilement comprendre. Dis-moi non, je suis ton bébé, crois-moi. Oh, c'est un secret que tu ne peux pas m'expliquer. Dis-moi non, je vais garder les secrets. Oui. Je t'ai dit que cet homme est vraiment un menteur. Il est pire plus que moi-même. Sais-tu que cet homme ne m'a pas amené dans le restaurant qu'il m'a promis? Il m'a amené dans un restaurant trop bas. Ah, Emilia souffre. Tu peux imaginer que cet idiot, il m'a commandé un plat de la soupe et 2 bouteilles de coca. Quand il a fini de prendre le tien. Ah, c'est quand tu te ne satisfais même pas. Puis-je? Ah, merci beaucoup. Tu es une bonne personne. Ah. Merde. Emilia, attends. Alors, comment vas-tu me payer mes 200 000 naira que tu m'as promis? Dieu merci que tu n'avais pas cru en moi. Ma sœur, j'avais tellement honte de moi-même. Mais oui! Hey! Je me suis sentie disgracée. Tu sais, même la fameuse dupe qu'il a dû parler que c'était pour lui, qui était parquée d'ailleurs, ça appartenait à quelqu'un d'autre. Et cet idiot a eu l'audace de me dire que cette personne était son chauffeur. Je ne savais pas qu'ils nous empêchent de mentir. Hey. En tout cas, ça me dépasse. Cet homme doit vraiment être un très grand menteur. Il ment plus que moi. Oh, l'homme riche. Tu sais, laisse-moi te dire. Même l'argent que j'ai acheté des habits pour mettre dans mon corps, je ne l'ai pas eu. J'avais prêté de l'argent. L'homme riche. Ce n'est pas amusant, arrête de rire. Que j'arrête de rire. Je ne vais pas arrêter de rire parce que je t'avais prévenu. Emilia. Grand frère, ça c'est le riz, ça c'est les ignames et ça c'est le noeud douce. Quoi? Ah. Qu'est-ce que tu as raconté à maman pour qu'elle te donne toutes ces histoires? Hein? Dis-moi. Je n'ai rien dit à maman, sauf la vérité. Nous souffrons. Tu as dit à maman que nous souffrons? N'est-ce pas que c'est vrai? Il n'y a rien à mentir là. Simon, as-tu vu ce que ma sœur a fait? Fabienne,
C'est quoi ton problème? Il y a quelques minutes que tu priais à Dieu de te bénir, tu comprends? Et de subvenir à tes besoins. Et il est clair que ceci est la réponse à tes prières. Et maintenant, pourquoi est-ce que tu te plains? Ça, c'est la réponse à ma prière. Est-ce que tu as vu ce que tu as fait? Tu as tout fait pour stresser ma mère? Fabian, il ne s'agit pas de stress ici. Personne n'est en train de stresser ta maman. Aucune femme dotée du bon sens pourrait laisser ses enfants souffrir ou mourir et elle regarde entre ses mains. Jamais. Et ce n'est pas comme ça que se comportent des bonnes mères. Alors elle a pleinement raison d'agir ainsi. Ma mère, tu as dit. Avant que je n'oublie, hein. C'est l'argent que maman m'a dit de te donner. 10 000 naira. Je serai contente de te rencontrer, monsieur. Aujourd'hui, je vais voir mon agenda et savoir si je serai dispo. Je suis une personne trop occupée. Oui. Ok. J'apprécierai te rencontrer finalement. Passe une bonne journée. J'étais entendu parler au téléphone. C'était qui? Un ami. Emilia, un ami qui n'a pas le nom. Emilia, tu n'es pas fatiguée? Pourquoi tu n'arrêtes pas de chercher l'amitié avec plusieurs personnes? Les problèmes que tu as rencontrés dernièrement ne t'ont pas enseigné? Filiane, vas-y, parle. Est-ce que tu t'es déjà dit de te reposer quand il s'agit de ton travail? Pourquoi je le ferai? C'est ce qui me permet de vivre. C'est la même chose. Quand le business s'effondre à cause d'un client, cela ne veut pas dire que tous les clients sont de même. Si tu n'as pas encore gagné, tu dois toujours continuer pour enfin gagner. C'est comme ça qu'on joue les jeux. Mon travail est digne d'être appelé travail. Emilia, énonce ce que tu fais. Je peux bien voir que mon travail te dérange. Je préfère le faire au lieu de devenir millionnaire avec ce que tu fais. Mais ce n'est pas, on est juste deux. Je sais. Filan, ne penses-tu pas que tu dois déjà l'autre? Emilia, tu es vraiment ennuyante. Passe une belle journée avec tes appels. Femme d'affaires. J'aurais vraiment une très bonne, bonne journée. Grand frère, c'est quoi encore? Grand frère? Grand frère, pourquoi? 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 Ah, qui est là? Père tout puissant, voici que ton règne vienne. Que allô? Ton règne descende. Oui, tu vas bien? Ouais. Peux-tu passer vite à la maison? J'ai besoin de toi. Il y a une chose. C'est bon, j'ai compris. Merci. Père céleste, c'est le moment de... Allez. Enlève tes mains vers moi. Oh, mon sang, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah non, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi, non. Donne, tu laisse-moi. Pas, tu laisse-moi tranquille. Arrête de prendre, donne. Fabien.
C'est quoi le problème? Et donc tu veux me dire que ta maman t'a envoyé de l'argent à la sueur de son front et tout ce que tu pouvais en faire, c'est dépenser avec ce qui peut t'amener en enfer? Fabien, mais qu'est-ce qui t'arrive, mec? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Simon? C'est quoi ça? Ce qui m'énerve est qu'il devait payer les dettes avec cet argent. Il les gaspille dans l'alcool maintenant. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Donne-moi ma boisson. Laisse-moi boire. Je vais me sentir bien. Et Fabien, hein? Est-ce que tu connais, Fabien, ce qu'on appelle la dépression? Mais ouais. Est-ce que tu sais si tu es en train de nager graduellement dans la dépression? Pourquoi, mec? C'est tellement correct. Je suis déprimé. La dépression, c'est mon nom maintenant. Regarde-moi. Essaye bien de me regarder, Simon. Je ne peux même pas payer une dette. Regarde-moi. Je suis rien du tout. Je ne peux pas survivre sans toi ou ma mère. Et Fabien, je ne me plains de rien du tout. Hein? Je sais comment tu as pu dépenser sur moi avant d'être refoulé. Et je sais comment tu avais toujours l'habitude de payer mon ticket quand j'étais en République tchèque. Et Fabien, ce n'est que pour moi que tu faisais toutes ces choses. Alors je te suis suffisamment reconnaissant, Fabien. Oh. Le bon moment est en train de venir. Oh, mon cher. S'il te plaît, mec. Puis-je te poser une question, Simon? Toutes les choses que tu as juste mentionnées, je ne peux même pas les faire. Je ne peux rien faire du tout maintenant. Tu ne peux pas continuer ainsi, grand frère. Oh, arrête, grand frère Simon, s'il te plaît, parle-lui. Il est mon unique grand frère. Je et t'en Fabien, prie. Tu vas finalement quelque chose. Arriver. Mais avant tout, tu dois arrêter avec ces habitudes de toujours boire. Premièrement, ce n'est pas bien pour ta santé. Et deuxièmement, quelqu'un qui attend la bénédiction de Dieu change d'abord ses habitudes. Tu ne dois pas aspirer à la bénédiction divine avec cette façon de boire l'alcool. Tu dois arrêter avec cette mauvaise habitude d'alcoolisme, même si c'est pour rien au monde, mais pour le bien de ta santé. Ok. Pasteur, prêche-moi. Pasteur, vas-y, prêche. Ou devrais-je dire docteur? Non. Docteur, pasteur, Simon, laisse-moi juste boire ma boisson, hein? S'il te plaît, laisse-moi. Oh, Fabien, hein? Calme-toi, mec. Dieu lui-même a accepté que tout ceci puisse t'arriver pour que quand les gens te verront, ils puissent glorifier son nom. Et tout ce qu'il fait, il les trouve bons. S'il te plaît, la joie de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Vraiment. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Tu es en train de nous prêcher aujourd'hui. Et tu sais ça. Et tu ne les verras plus nous jamais. Nous devons aller à l'église. Tu vas nous prêcher là-bas. Amen. Quand est-ce que ça finira? Très bientôt, mec. Très bientôt. Oui, très bientôt, mec. Tu sais, Dieu a sa façon de faire les choses. Tu sais, mec, même si tu te permets de souffrir aujourd'hui, sache qu'il a des très bonnes raisons pour bien. Ça. Et sache que très bientôt, toute cette façon de souffrir, c'est se transformant en miracle et les gens lui rendent le Seigneur pour ça. Je connais mon ami depuis beaucoup d'années, qu'il était un pasteur. Prêche-moi, pasteur Simon. Fabien. Prêche-moi. Fabien. Prêche-moi. Fabien, mec. Prêche-moi. Et s'il te plaît. Écoute, Simon. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire quand tu manges comme un roi? C'est tellement merveilleux. Pas manger n'importe quoi. Il faut manger bien. Et tout cela, il faut avoir de l'argent. Et l'argent, je n'ai pas. Les salaires, je n'ai pas. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien du tout. Tout ce que j'ai, c'est ma boisson. Laisse-moi boire. Et Fabien, calme-toi. Fabien, apaise-toi, mec. Hein? Et tout ceci n'est qu'un test pour le moment. Okay. Et tout ceci, ça changera en un clic. Je te les promets. Okay. Je te les promets. Okay. Sois As-tu fini, calme, pasteur? Mec. As-tu fini, pasteur?
Bonjour. Oh, Chief. C'est toi, Emilia. Oui, Chief. Ah, Chief, tu sens très bon. Ça doit être une nice girl, comme avec Yos Elisabeth. J'aime votre combinaison. Merci. Je suis Emilia et tu dois être Chief Kaye. Bien sûr. Je dois t'avouer que cette intelligence que j'ai constatée en ligne n'est pas différente de ce que je suis en train de voir à l'œil. Je veux aussi dire que ton hospitalité est venue aussi rapidement que tu l'avais promise. Un peu d'excuses pour ça. Oh, je suis désolé. C'est que j'étais un peu occupé en faisant autre chose de l'autre côté. Ok. Oh, devrions-nous aller manger? Chief, j'aime le respect et la dignité. Je préfère mieux rester dans ces bars. Je pense que nous devons d'abord nous connaître avant de passer à autre chose. Il n'y a pas de problème, je ne suis pas non plus pressé pour ça. Alors, prends place. Merci. Alors, est-ce qu'on peut se connaître? Oui, je t'en prie. Je m'appelle Emilia, la première fille de Chief Baissa Wissam. Mes parents vivent à l'étranger et moi je vis ici avec ma sœur. Je suis une ingénieure particulière. Je travaille avec le gouvernement. Oh, je suis tenté de dire que tu es vraiment une millionnaire. Tu peux le dire encore, Chief, mais cela ne veut pas dire que je dois m'évader pour ça. Comme l'on dit, le mot ne suffit pas. Oh oui, bien sûr, Chief Kayede, le chef suprême d'Osobo dans tout cet état. Je suis une entreprise généralisée. Nous travaillons dans tout ce qui sort là, parce que tu sais, l'argent n'a pas de limite. Et on inclut aussi les bandits. Ah. Est-ce que tu es sérieuse là? Bien sûr que je ne suis pas. C'est normal, tu sais, je pensais qu'il serait mieux que j'aie le numéro, les détails de ton compte. Et tu sais, je voudrais te faire une faveur. Waouh, cela sera génial, Chief. Merci infiniment. C'est un plaisir. Waouh, alors... Comment est ta famille? Oh, ce serait aberrant si je te disais que je n'étais pas marié. Bien sûr, je suis marié. Mais toute ma famille vit en Angleterre. Oh, ok. Alors, comment tu t'en sors du stress en regardant ce que tu es? Oh, bien, j'ai des employés qui prennent soin de moi. Oh, parfait. Oh, pardonne ma mauvaise habitude, je ne t'ai rien offert. Alors, qu'est-ce que je pourrais te faire alors? Du champagne. Salut bébé, toujours le travail, à tout moment tu travailles. Donc si tu ne travailles pas au bureau, tu travailleras à la maison, repose-toi, non? Ma chère, je dois travailler sur quelque chose. Bébé, tu as l'air si joyeuse, raconte-moi. Je suis contente, oh, ma soeur. Tu sais cet homme avec qui je parlais au téléphone hier? Cet homme est vraiment riche. Tu vois cet endroit où cet idiot n'avait pas pu m'amener, c'est bon à rien. Mais cet homme m'a amené là-bas. Si tu voyais cet endroit, très très magnifique. D'ailleurs, cet endroit, c'est comme au paradis. C'est juste pour les gens riches. Hey, je souhaiterais qu'il soit là. Je souhaiterais qu'il me voie entrer dans cet endroit pour qu'il sache que
Les endroits que je fréquente, il ne peut pas les fréquenter toute sa vie. Bébé, peux-tu juste oublier à propos de ces garçons? La manière dont tu es en train de me parler de cet homme qui t'a mis dans ce restaurant, je pense que tu l'as vraiment bouffé de l'argent. Tu l'as vraiment vidé. Cet homme possède beaucoup de biens. Tu devrais voir sa façon, sa voiture, son odeur. Chaque chose de cet homme montre l'argent. Écoute, il utilise un parfum extraordinaire. Je ne l'ai jamais utilisé toute ma vie. Cet homme possède tout. Hey! C'est bon, mais la manière dont tu es en train de me décrire cet homme, je pense qu'il doit être un homme marié. Oui, il est marié, mais sa famille n'est pas ici, sa famille est à l'étranger. Oh, sois juste sage. Tu es la bienvenue, je pense que tu m'as apporté des bonnes nouvelles. Ma chère, de quelle chose tu me parles? L'argent que cet homme a envoyé dans mon compte, ça peut nous acheter tout ce qu'on veut. C'est une bonne chose. Bien, il y a de la nourriture dans la cuisine, alors repose-toi et mange quelque chose. Je ne suis pas intéressée, juste donne-moi un peu, je vais goûter. Ah ah! Donc, comme tu as mangé au restaurant, tu ne peux pas goûter ce que j'ai préparé. Prends ton sac, va dans la chambre et reviens manger. Non, non, non. C'est pas ce que tu crois. Je t'aime. Ah, celle-là, elle est ici. Que je lui passe le téléphone. Fais attention. Allô, Dantine. Je vais bien, merci. Et toi? Tu manques à quelqu'un ici. Tu viens quand déjà? Comme ça, je pourrai voir ton visage. Ok, d'accord. Bye. Hey, bébé. Juste... Ah non. Je fais un truc, bébé. Je t'appelle après. Salut. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire par? Rien du tout, j'ai juste besoin d'eau. Il serait mieux que ce soit rien du tout. Alors, on va prendre de l'eau. Et ça va changer, mec. Simon, tu peux... Peux-tu juste arrêter, s'il te plaît? Arrêter de faire comme s'il n'y a rien du tout. Toi et moi savons très bien que les choses vont continuer comme ça ne va pas changer. Ne veux-tu pas que Dieu m'a oublié? Oh, arrête ça. Arrête ça, Fabien. Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants, peu importe la situation. Regarde-moi très bien. C'est tellement évident que Dieu m'a oublié. Mec, c'est ça la vie. Nous sommes tous passés par là. Combien de temps? Simon, Combien de temps je dois continuer à souffrir de cette façon? Regarde-moi juste. Ça, c'est la 5e année que je suis dans ce pays et rien ne change. La vie était mieux lorsque j'étais là-bas, à l'étranger. Oh, Fabien, arrête de dire ça. Dieu est capable de te bénir partout, n'importe comment et quand il le veut. Rappelle-toi qu'il est Dieu. Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le moment pour que tu me bénisses. Et Fabien, la parole des hommes est différente de celle de Dieu. Mais elle demeure la parole de Dieu. Et le même Dieu a dit, demandez. On vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et Fabien, continue à frapper. Et Dieu finira par ouvrir la porte. Ah. Oh, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis rappelé de quelque chose. Qu'en est-il de ta copine, celle avec qui tu sortais en ligne? Laquelle? Je ne l'ai pas appelée. Je veux parler de cette fille, ingénieur. Oh! On va tout juste de parler. Et comment ça évolue entre vous deux? Bien.
Ne penses-tu pas que c'est le meilleur moment pour toi de s'ouvrir à elle? Tu peux juste lui parler pour être celle qui t'aidera à sortir de cette situation. Simon, c'est toi qui as dit ça. Attends une minute, Simon. Tu veux que je lui demande de l'aide? Oh non, voyons, Simon. Ma relation n'est pas basée sur ça. C'est juste une relation partielle, une relation des réseaux sociaux, c'est tout. Tu veux vraiment que je relate mes problèmes? On ne se connaît même pas vraiment. C'est ce que tu veux? C'est tout ce que tu veux vraiment que je fasse, hein? Fabien, est-ce que tu veux mettre de côté ton ego? Et ne permets pas à ton cœur d'agir contre toi. Et cette dame pourrait être la solution à tous ces problèmes. Hein? Écoute, et cette situation pourrait être pour toi une porte menant vers la solution. Et surtout ta bénédiction. Simon, es-tu au courant que cette fille est en train de me voir comme un vraiment gentleman qui veut prendre soin d'elle? Et là, je me mets en train de lui demander. Non. Non. Commence par lui donner une chance. Parle-lui d'abord. Simon. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Simon. En ce moment-là, je n'ai même pas la tête pour ça. Je ne m'imagine pas en train de lui raconter ma vie. Tu veux vraiment que je me mette devant elle pour raconter mes problèmes? Hé, hey, c'est pas possible. Un aventurier, un escroc. Tu comprends? Hein? Fabien, l'orgueil ne nous aide en rien. Mais tu peux me dire de commencer en premier. Le seul moment que je peux exposer mes problèmes, c'est quand on est face à face, comme toi et moi. Ou encore, on se connaît en privé. Et Fabien, il n'y a aucune erreur en essayant. Bébé, pourquoi tu ne dors pas? Et s'il te plaît, peux-tu diminuer le volume de tes messages? Plutôt le volume de ta sonnerie, ça m'empêche de dormir. Je suis dans mon bureau. Mais il fait tard. C'est le moment que ma tête peut faire de l'humour dans mon compte. D'ailleurs, ceci est le bon moment pour que je parle avec mes abonnés. Hein, laisse-moi un peu appeler mon soi-disant petit ami. Qui n'arrive même pas à faire un rencard avec moi. Mais tu dois dormir maintenant. Arrête de distraire ce pauvre garçon. Qui t'a dit qu'il est pauvre? D'ailleurs, j'essaie de le séduire beaucoup cette nuit pour qu'il trouve une raison de plus de venir me voir. Hein, laisse-moi d'abord l'envoyer mes photos sexy. Emilia, n'es-tu pas la seule qui m'avait dit que le chief avait envoyé 3 millions de dollars sur ton compte? Alors pourquoi chercher une autre source de revenus? Laisse-moi te poser une question. Est-ce que l'argent est mauvais? Prends ton salaire et ne fais rien avec. S'il te plaît, laisse-moi appeler. Juste rabaisse le son de ton volume et ton message vocal, je veux dormir. J'ai tellement sommeil, je dois vraiment dormir. Bonsoir bébé, comment tu vas? Salut bébé, comment vas-tu? Je vais bien. Je suis surpris que tu penses à moi aujourd'hui. C'est moi qui devrais te dire cela. En ce moment, je suis un peu occupé. J'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que j'agrandisse mon entreprise. Ne te dérange pas pour cela. Je t'aiderai. Babe, j'ai vraiment envie de te voir. Mon corps, mon âme, mon esprit ont besoin de toi. Comment va mon bébé chéri? Très bien. Tu es en train de parler de cette histoire, hein? Bébé, là vraiment, tu me rends faible. Bébé, comment tu veux dire que je te rends faible? Bébé, tu as volé mon cœur avec la super hanche. Et maintenant, tu me dis que j'essaie de casser tes jambes. Est-ce que tu étais en train de blaguer quand tu m'as dit que tu m'aimais? Non, pas du tout. C'est juste que
Je ne croyais pas que tu allais me dire une chose pareille. Comment est-ce que je suis censé connaître une belle fille comme toi? Quand on se verra, bien sûr. Je mourrai en posant mes yeux sur toi. Tu m'as fait tomber amoureuse de toi. Et maintenant tu es là, mais je sens comme si tu étais surprise que je sois ta femme. Tu me rends totalement confuse. Je ne suis pas. Je ne suis pas confus, bébé. Je t'aime beaucoup et tu le sais très bien. Donne-moi juste quelques temps et tout va s'arranger. Un peu du temps comme? On peut dire que... 10 semaines. 10 semaines seront suffisantes pour que je me range. Ok, mon prince charmant. Je souhaiterais vraiment entendre des beaux mots d'amour avant que tu ailles dormir. Très bien, ma chérie. Passe une très bonne nuit, mon prince charmant. Et tu salueras ta sœur de ma part. Bonne nuit. Je t'aime. Je t'aime aussi. Qu'est-ce qu'il est en train de parler, cette fille? Oh, garçon, réfléchis. Réfléchis. Oh, je suis vraiment excitée pour le voir. Et voilà un autre homme riche. Laissez-moi vite appeler mon petit ami. Oh. Chérie, tu n'es qu'une menteuse. D'ailleurs, tu dois être la prochaine star hollywoodienne. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me demandes d'être une actrice de Bollywood? Je t'ai dit que j'en avais besoin. Parce que tu joues tellement bien. Et même si quelqu'un était à tes côtés, il tomberait dans tes mensonges. C'est un travail. J'imagine que tu n'avais pas été enseignée parce qu'il t'est arrivé une autre fois. Babe, c'est juste les hommes pauvres qui courent derrière le fils qui les déçoit. Les gens riches avancent. Et s'ils n'en veulent pas? Et cela est-il difficile? Ah, tu sais quoi? Emilia, s'il te plaît, ne peux-tu pas aller en bas et arrêter de distraire mon sommeil? J'ai besoin de dormir. Parfait, laisse-moi juste aller et continuer avec mon travail au salon. Voici. Bien sûr, c'est pour moi. Nous voilà. Et c'est vraiment comme ça que j'ai toujours voulu que tu sois. Très joyeux. Et Fabien, tu parais heureux. Tout ça grâce à Dieu. Enfin, je t'appelais Pasteur Simon. Je commençais à t'appeler Prophète Simon. Et pourquoi tu as dit ça? Parce qu'après avoir me parlé hier, soudainement, elle m'a appelé. Je vais dire mon ingénieur petit ami. Elle m'a appelé et elle m'a dit que je lui manque beaucoup. Et cela signifie que tu lui en as parlé? Non. Et pourquoi? J'étais encore, hein? Au moment où on aura un rendez-vous, c'est là que je verrai quoi? Quoi lui dire? En fait, ça sera propre si je lui parlais, en fait, en face. Très bonne idée. Oui. Très bonne. Alors, c'est pour quand? Je lui ai dit dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Oui, parce que je... Et pourquoi? 2 semaines parce que je lui ai dit que je suis occupé. Ne penses-tu pas, mec, que c'est très loin par rapport à tout ce que tu attends d'elle? Non, pas ça, Simon. Non, je suis bon dans tout ce que je fais, en fait. Il faut que ça aille étape par étape. Si tu attaques, et ça marche. On doit aller doucement. Une étape après l'autre, c'est tout. Elle a l'air quelqu'un qui veut vraiment m'aider. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle connaîtra tout. C'est une très bonne idée, mec. Une très bonne idée. Bien sûr. Je suis très fier de toi, mec. Et ça, ça mérite une célébration. Qu'est-ce qu'on attend encore? Alors, à la brise glace. Voilà. Pour l'amour. Je suis très fier de toi, mec. Allô? Bonjour, monsieur. Hein? Je vais bien, monsieur. Et vous?
au bureau. Maintenant. Ah. Très bien, monsieur. Très bien. J'arrive. Déjà. Déjà en route. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, monsieur. Merci, monsieur. Et qui est-ce que c'est? Ah, le PDG de l'entreprise dont j'ai déposé les dossiers. Il a besoin de me voir dans son bureau. Maintenant. Pourquoi? Mais pourquoi tu me demandes pourquoi? En fait, j'ai déposé les dossiers dans son bureau. Il veut qu'on se voie. Mais cela signifie que cela a été accordé. Mais alors, mais quoi, nous devons nous empresser. Tu me sous-estimes? Tu me sous-estimes? À la brise glace. Le haut niveau. Les niveaux élevés. Les niveaux élevés. Oh, mec, je t'avais dit que Dieu va ouvrir les portes. Je te l'avais dit. Cette fille, elle est comme un ange. Avec des ailes. Des ailes. Ça, c'est mon mec. Regarde Fabien. Encore une fois. Encore une fois, au bonheur. Les niveaux s'élèvent. Oui, Fabien. Monsieur. J'ai dû parcourir tout ton dossier et je t'avoue que je suis vraiment satisfait. Merci, monsieur. Et nous allons vraiment signer le contrat. Merci, monsieur. Merci bien, beaucoup, monsieur. Bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. 2 millions en premier. Monsieur, mais pourquoi comme ça? Mais vous avez confirmé déjà que vous êtes déjà prêt. 2 millions encore comment? On s'était entendu pour 20 millions. Au moment où vous m'avez parlé de ce business, j'étais content. Je savais que vous serez mon partenaire d'affaires. Avec ce montant, je ne sais pas ce que je dirais à mes partenaires d'affaires. Avec ce montant, ils penseront que je ne suis pas sérieux. L'offre est tellement petite. Est-ce que vous pouvez mettre 5 millions seulement? S'il vous plaît. C'est à prendre ou à laisser. Merci, monsieur. Très bien. Tu devras signer ici. Tu vas aussi signer ici. Et ça, c'est ta copie à toi. Et pour moi, tu vas signer ici. Et aussi ici. Merci, monsieur. Et je t'en prie. C'est ça, monsieur. Une chose de plus. Oui, monsieur. Mon entreprise est réputée de bonne qualité. Et si tu veux qu'on travaille mieux, ne travaille pas avec des choses de basse qualité. Je vais vous livrer, monsieur. Promis. Ce vendredi aujourd'hui. Et tu pourras commencer le mardi. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Fabien. Monsieur. S'il t'arrive d'avoir un prochain rendez-vous comme ceci, ne bois jamais. Oh, mec, tu es déjà de retour. Alors, raconte comment ça a été. Comment ça a été, mec? Qu'est-ce que tu voulais que ça soit? Pourquoi est-ce que je n'ai toujours pas ce que je cherche? Et comment? Et comment est-ce que l'autre peut t'avoir empêché d'obtenir ce contrat? Boire! Simon, tu as oublié ce qui s'était passé. J'étais ivre. Mon propre projet est en train d'être volé. Et alors? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas à nouveau une entreprise de 20 millions au camp dans un seul rendez-vous? Quelqu'un qui réduit tout ça en miettes. Oh, attends. Cela signifie qu'ils ne boivent pas dans leur entreprise ou quoi? Je ne sais même pas pourquoi tu ne me comprends pas. Hein? Essaye un peu de me comprendre.
je suis en train de te dire que tu as une proposition d'affaires avec quelqu'un et à la première fois, ça bouge suivre sans rien dire. Un business de 20 millions de naira avec quelqu'un comme ça. Dis-moi. Non, et tu es en train de dire qu'il t'a d'abord remis 2 millions et alors tu passeras à récupérer les 18 millions restants. Il a dit 2 millions. Alors c'est très bon, mec. Et c'est vraiment bien, mec. Et ces 2 millions, c'est pour toi une garantie que tu passeras à récupérer les 18 millions. Est-ce que tu comprends exactement ce que je suis en train de dire? Comment je vais partager? Comment est-ce que je vais faire? C'est la raison pour laquelle j'ai dit 20 millions de naira. Pour tout résumer, je suis arrivé là-bas en retard. Mais tu es parti juste quand il t'a appelé. Embouteillage. Embouteillage, raison pour laquelle je l'ai laissé en route. Ce n'est pas... Mon cher, non. Arrête. Arrête. Mec, écoute. Et tu es allé, mec, pour un deal. Un deal de 20 millions. Et on t'a donné 2 millions. On t'a promis que si tu travaillais très bien, tu retourneras récupérer les 18 millions. Pourquoi tu te plains alors, mec? Si tu ne les as pas eu aujourd'hui, tu pourras les avoir demain. C'est quoi le problème? Et tout ce que tu as à faire, c'est bien travailler avec ces 2 millions nègres. Et les 18 millions restants t'appartiendront. Oh, voyons, relax. Attends. Comment est-ce que je vais les faire? Et tu es sérieux là, mec? Je vais te parler, s'il te plaît. Assieds-toi. Est-ce que quelque chose ne va pas? Quel est le problème? Il y en a plein. Comment tu peux être si discrète pour ne pas partager des choses avec moi? Ah, Emilia, j'ai l'air d'être dérangée par quoi que ce soit. Rien ne me dérange, je vais très bien. Et donc tu continues encore? Si tu ne partages pas des secrets avec moi, tu le feras avec qui? Emilia, tu ne fais que tourner autour du pot. C'est quoi le problème? Je vais bien et tu sais très bien que je ne te cache rien du tout. Je vais parfaitement bien. Dans ces cas, tu peux les garder si tu veux. N'as-tu pas reçu un message de Katami Emira? Tu l'as su? Et pourquoi je ne le saurais pas? Tu m'appelles ta meilleure amie, mais tu n'arrives pas à partager tes secrets avec moi. C'est évident que tu t'es dérangée à propos de cet argent. Tu traversais tout cela, mais tu ne m'as jamais fait savoir. Je te connais mieux que toi-même. Pourquoi tu peux me cacher ce genre de secrets? Je devais au moins le savoir. Alors dis-moi, comment es-tu au courant de ça? J'ai rencontré Jeff Kari d'y transférer l'argent dans ton compte. Il m'a demandé si j'avais compris des serres. Je lui ai dit que c'était que toi. Alors il m'a demandé tous tes détails. Dans ma présence, il a transféré 400 000 naira dans ton compte. Je devais le savoir. Je suis ta meilleure amie. Ok, alors je suis désolée, je voulais juste me rassurer de la source avant de te le confirmer. Oui, je savais bien que tu allais me permettre de le garder. J'étais juste en train de connaître si possiblement il était intéressé, alors je suis désolée. Qui est le chief Kayode? Tu peux garder l'argent, c'est le tien. Je te dirai qui il est après. Mais bébé... C'est vraiment beaucoup d'argent. 400 000 naira? Mais quel métier que je peux faire? Filiane, tu devrais être reconnaissante. J'avais aussi de ma part 600 000 naira. Es-tu sérieuse? Alors, comment penses-tu que la banque va me libérer cet argent? C'est comme si on retranche 1 million du compte de Duf, tout est parti. Il a vraiment beaucoup d'argent dans son compte, alors il ne se dérange pas. Il paraît être généreux, si seulement ce n'est qu'à C'est ça. Tu sais, dans notre conversation, il dit...
disait que déconstruire un orphelinat, des signes. Oh, c'est très gentil de sa part. C'est vraiment un homme gentil. Oui. Dieu va le bénir. Oui, bien sûr. Je dois vite appeler mon petit ami. Alors, lesquels? Aldo, je t'avais parlé, on a eu rencard de même. Oh, Fabien, dis-moi à quoi j'ai mis ça. Où vas-tu comme ça, mec? C'est comme quelqu'un qui a eu un très bon travail dans un hôtel de luxe. S'habiller comment? Pour une affaire de travail et qui demande beaucoup d'argent, je dois changer. Oh non, reviens. C'est pas ce que je veux dire. En fait, tu parais magnifique. Vraiment? Alors dis-moi, où vas-tu, mec? J'ai rendez-vous avec Cindy. Et Cindy? Oui, Cindy. Et qui est Cindy, mec? Simon. La fille dont je t'avais parlé. Oh, donc tu veux dire que c'est cette dame ingénieure? Oui. Oh oui. Et aujourd'hui, je vais la dévorer jusqu'à la fin. Enfin, je vais la dévorer à tel point qu'elle aura la grossesse de moi. Et comment? Elle a parlé comme si c'est quelqu'un qui a ce période. Tu connais comment les filles se comportent. Oh, puis-je te voir? Je veux te voir. Je veux te voir. Et tu vois, c'est le moment là d'attaquer. Mec. Oui. Et sois juste et toi, mec. Laisse-moi te prévenir, mec. Et tu dois prendre en compte mon conseil. Mec, n'y va pas sans avoir exécuté ces contrats. Mec. Oh, s'il te plaît, Simon. Tu parles comme un pasteur. Écoute. Je sais comment je planifie les choses, hein? Je vais pas dépenser cet argent-là. Je sais très bien que c'est pour le travail, hein? Écoute, je ne vais pas jouer avec ça. Pour chaque moment de 2 millions de naira, je pense avoir 5 millions de naira. Tu connais comment ça se passe? 5 millions de naira, tout est parfait. Voilà le calcul. Messieurs, oui. La loi de la prudence dit ceci. On bat le verre. Et quand il est chaud, mec, écoute ici, vaut mieux un que tu as que deux qui sont encore en bourse. Mais laisse-moi te dire un truc vite fait, Simon. Je suis l'un de quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est sage. Toi, tu connais comment ça marche. Même si elle me dit qu'elle est dans ses périodes. Enlève, on mange. Et je te préviens, mec, n'y va pas sans avoir exécuté ce contrat. C'est tout ce que j'ai à te dire. N'y va pas. Ça, c'est une punition. Enlève. Je veux celle-là. Tu le vas à combien? Oh, celui-ci, c'est 800. Et ça alors? Toi, tu es ma cliente potentielle. Je l'ai mis à 100 000. Toi, tu as combien? Oh, j'aime ça. Et ça, oui. C'est à combien? Ce sont des bons tissus. Ça, c'est 600. Si ça n'est rien, j'aimerais bien voir celle-là. Ok. Madame, s'il te plaît, laisse-moi te dire, ne me déçois surtout pas. Je n'ai aucun problème, voyons. Désolée, okay, excuse-moi. Allô, bébé? Oh, bébé, je vais juste te faire savoir que je suis en route. Je suis prête, je suis au salon. Oh, bébé, tu ne peux pas être au salon. Tu sais très bien qu'on a un rendez-vous. Je le sais très bien. Je voulais juste te mettre quelque chose sur ma tête. Tu sais... Mais je finirai avant que tu n'arrives. Je suggère qu'on parte partir d'ici. Alors tu veux que je vienne au salon, c'est ce que tu veux? Oui. Si seulement tu ne seras pas dérangé par le fumeur qui sont ici. Mais il fallait me dire bien avant. Hein? J'allais déjà venir là-bas. Hein? Ok, je suis en route, j'arrive déjà. D'accord. Très bien. Ok? À tout à l'heure. Je t'aime. Je t'aime aussi, bye. Madame, s'il vous plaît, faites vite. J'attends quelqu'un. D'accord. Il arrive. Oh, regarde-toi. Bébé. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, prends place. Très bien. Ah,
Tu veux quelque chose? Ah, non, merci. Es-tu sûr? Ça va. Ok. Emily, où est-ce que tu iras avec cet homme? J'espère que tu t'es vraiment préparée pour gaspiller aujourd'hui. Cela ne peut pas sortir de mes mains. On verra là où tu vas prendre l'argent en tant que mari. Tu vois cette fille? Elle peut te mentir jusqu'à mourir. Aujourd'hui, tu vas la sentir. C'est fini, madame. Vous pouvez partir. Ok. Combien coûte tout ceci? 600 naira. Vous pouvez me donner votre numéro. Je vais utiliser ma carte bancaire. D'accord. Maintenant. Madame, désolée, j'ai oublié ma carte bancaire. Ah, ok. Même le transfert. Ah, je n'ai rien dans mon téléphone. Et ton petit ami est déjà là, non? Mais il n'est pas... Quoi? Ah, voyons, arrête de déranger ma femme comme ça. Ça coûte combien déjà? 600 naira, monsieur. Seulement? Ah, je le fais tout de suite. Le numéro? Alors, on y va chez toi? Mais pourquoi? Pour qu'on échange. Ce n'est pas nécessaire. Je me suis déjà bien habillée. Nous pouvons juste aller dans un hôtel parce que j'ai envie de t'avoir entre mes mains. Je t'ai vu au téléphone que j'ai vraiment envie de t'avoir entre mes mains. Je savais que tu dirais ça. Je ne manquerai pas de faire de toi la mère de mes enfants. Ça, c'est la meilleure façon d'y arriver. Alors, où veux-tu qu'on aille? C'est moi qui commande ici. Je vais juste t'amener quelque part dans un très bon environnement où nous pouvons s'éclater et bien faire l'amour. Je pensais que on allait tout droit, hein, au but. Hein? Fabien, le vrai amour ne se cache jamais. Ça doit juste être vrai. Je pense que tu viens de parler des mêmes choses à la fois. Tu ne l'as pas dit, alors je devrais t'aider de te les dire. S'il te plaît, demande la voiture, partons, nous sommes déjà en retard. Bébé, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Non, tu n'as pas l'air bien pour moi. Es-tu sûr? Ouais, je vais bien. Arrête! Quoi? J'ai vu quelque chose. Parque juste à côté, s'il te plaît. Combien coûte ceci? Oh, c'est chouette, je l'adore. Ça vous ira très bien, madame. Donnez-moi. Et à combien coûte ceci? C'est 7500. 750? Oui. Tu peux le prendre. Apporte-le-moi. Chérie, est-ce que ça va? Oui, très bien. Désolée, la clim est allumée. Ah oui. Vous êtes sûre? Bien sûr que oui. Elle est au maximum? Oui. Ok, bébé, je ne sais pas quelque chose qui ne va pas. Bébé, je suis chaud. Je vais attendre dehors. Bébé, cela ne sera pas nécessaire, ok? Bébé, faisons le shopping ensemble. Essayons un peu de passer un petit moment ensemble. D'accord? Ok. Et à combien tu vends ces chaussures? Ça, oui. Madame, ça c'est 500 000 naira. Je le prends aussi. Bébé. Mais les prix, mais c'est un peu très cher ici, tu vois pas? Oh, cela ne sera pas nécessaire pour connaître le prix. D'accord, madame. Madame, et à combien c'est là? Ce n'est pas. C'est le même prix. Ajoute-le aussi. Ce n'est pas. Et combien ça coûte le tout? Ça fait 980 000. Seulement? Ok, chérie. Hmm? Tu peux m'aider rapidement à transférer 980 000 dans son compte? Aujourd'hui? Oui, maintenant. Non? Oui, maintenant. Oh, bon sang. Je ne m'imaginais pas faire ça aujourd'hui.
Appelle ton numéro pour lui. 00666. Mon Dieu, je suis fini. On n'a même pas encore fini les rencarts et l'argent est terminé. Qu'est-ce que je lui dirai maintenant? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Oui, bien sûr que je vais bien. Non, tu ne l'es pas. Tu as l'air un peu dérangé. Pourquoi? Oui. Je vais bien. Écoute, si on le fera vraiment, tu dois être très transparent envers moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne sais même pas comment ce que je vais dire. J'ai un peu des doutes. Comme tu as dit que nous devons être vraiment transparents, combien d'argent ça prendra toutes ces histoires, hein? Tu sais que nous devons partir se promener ailleurs, un peu partout. J'ai juste vérifié dans mon compte pour qu'il y ait des millions pour les transferts. Hein? Tu sais qu'on dépasse beaucoup d'argent. Il fallait que je mette 7 millions. Et c'est fini et dans mon compte. Je ne sais pas comment je vais faire. Et c'est lui qui s'en charge, n'est pas connecté. Et je ne sais même pas comment je vais contacter d'autres personnes pour avoir l'argent. Tu sais, je suis juste en train de penser comment je vais trouver, où est-ce que je vais trouver l'argent pour faire des dépenses, pour terminer notre journée. Et c'est pour cela que je l'ai perdu. C'est pour cela que tu t'inquiètes pour cet argent? T'inquiète pas. Nous partons chez moi et je vais voir ma carte bancaire. Je te rembourserai tout ce que tu as gaspillé aujourd'hui. Non, ma chérie. Tu sais, pourquoi tu dis ça? Mais cela ne me dérange pas. Laisse-moi le faire. Démarre la voiture et partons. Oh, des histoires! Oui. Oh! Voilà. Voyons, tu as beaucoup d'affaires, je vais t'aider. Non, ça me va. Je vais juste rapidement à la maison prendre ma carte bancaire et puis revenir. D'accord? C'est bien, mais j'aimerais vraiment t'aider. C'est bon, fais-moi confiance. Ok, allons-y. Mon amour, tu ne peux pas venir avec moi, d'accord? Mes soeurs et frères sont à l'intérieur, alors je ne veux pas qu'ils te voient, on vient à peine de se rencontrer. Quand le moment viendra, ils te verront. Ok, ça prendra pas assez de temps. Très bien. Ok, prends soin de toi. Je serai bientôt de retour. Bientôt. Attends-moi. Je t'attends là. D'accord. Es-tu sûr que tu ne veux pas que je t'aide? Non, ça va, crois-moi. Ok, je t'attends ici. Putain.
Ah, mais comment est-ce qu'elle a traîné comme ça? Ça fait beaucoup de temps. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ah, je ne sais pas. Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Monsieur, tu es ici il y a très longtemps, après avoir déposé la fille avec le sac. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Là, vraiment, il y a un problème. J'ai déposé ma femme ici. En fait, elle était juste censée monter et descendre, mais ça fait déjà 2 heures qu'elle ne descend pas. Sérieux? 2 heures déjà. Elle n'est pas encore descendue. Ok, tu lui as téléphoné? Son téléphone est éteint. Je ne connais pas cet endroit ici. C'est pour la première fois que je suis ici. Dieu. Oh, ok, est-ce que tu connais très bien son appart? Mon Dieu, je ne sais pas. En fait, c'est ma première fois d'être ici. Elle m'a dit de la déposer ici pour qu'elle monte changer les habits. Et après, on va aller à notre rendez-vous. Et ça fait déjà 2 heures. Je ne comprends pas. Je suis inquiet. Ok, le problème, c'est que je n'ai jamais vu une telle personne sur cette avenue. Peut-être que tu as été dupé. Je vous demande pardon? Non, monsieur, même si je vous demande de l'aide, vous ne pouvez pas appeler ma femme comme ça. Hein? Non, elle ne peut pas me duper juste comme ça. Elle est responsable, elle a un salon. Elle m'a juste dit qu'elle veut monter là-bas, elle descend. Ok, d'accord, laissons me renseigner. S'il te plaît, excuse-moi. As-tu vu une fille s'éteindre ça avec un sac il y a quelques heures? Oui, elle est très belle de taille. Oui, elle est vraiment belle. Elle est élancée. Oui, je l'ai vu en train de faire arrêter la moto où juste sur l'avenue qui est notre où? Parcelle. Et elle était en train de faire entrer de sacs, de choses comme ça dans cette moto, oui. Elle vient à peine dépasser devant notre parcelle. Là-bas avec les sacs? Oui. Est-ce que tu l'as vu? Elle est lancée. Un peu belle. Elle est avec ses sacs. Oui. Monsieur, tu dois quitter ici. Il est mieux que tu partes d'ici avant que ces garçons ne viennent voir quelqu'un comme toi ici. Tu sais ce qu'ils te feront?